Yo la team, c'est Xav, bienvenue dans une nouvelle vidéo et sur ce nouveau concept de vidéo que vous avez pu découvrir, une vidéo qui dure 3 minutes grand maximum sur la série trucs et astuces que l'on va lancer sur la chaîne. Bon, pour faire bref, aujourd'hui le thème c'est les lieux saints et les éclaireurs qu'on lance lorsque l'on crée un compte jump. Alors vous savez, quand on lance des éclaireurs, vous allez découvrir dans vos camps d'éclaireurs, autres. Et dans autres, vous avez donjon barbare, point de contrôle, donjon barbare, etc. etc. Donc ça... sur votre compte jump, ne les ouvrez pas, car lors de l'arrivée sur le royaume final, vous allez avoir la brume à défaire. Et lorsque vous allez défaire cette brume, c'est assez long. Donc, en ouvrant ces quêtes-là, vous allez pouvoir débrumer plus rapidement. Par exemple, là ici, on a un point de contrôle, on va le chercher, hop, et là, ça débrume un grand carré. Et potentiellement, vous allez pouvoir découvrir des villages tribaux et des caves. Et ce qui est bien, par exemple, avec les caves, c'est que si elle est au bout de la map, par exemple, on peut aller dans Explorer. Par exemple, ici, on a un village tribal. Imaginons que c'est une cave. Vous allez le chercher. Et lorsque vous allez le chercher, en fait, vous allez envoyer votre éclaireur et ça va venir en diagonale le débrumer. Bah tiens, on en a une juste là, impeccable. Vous allez là, moyen, vous envoyez votre éclaireur. Et là, comme vous pouvez voir... nous, on est à 200 km, mon éclaireur, il va s'en aller tout là. Et ça va débrumer plus rapidement. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et dans tous les cas, ça va être tout bénef pour vous parce que vous allez pouvoir augmenter votre débrumage, enfin, si on peut appeler ça comme ça, plus rapidement. Donc, moins de temps de perdu et plus de récompenses de gagner, car les cavernes rapportent énormément, les villages tribaux également. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo, et bien sûr on lâche son plus gros pouce bleu. C'était Xav the Master sur YouTube, à très vite pour une prochaine vidéo trucs et astuces, bye bye.